Un manipulateur, c'est quelqu'un qui se donne l'apparence d'un être supérieur aux autres et ressent un besoin exacerbé de se faire admirer. Et tous les maires disent oh, on va pas mettre d'écran. Mais fermez vos gueules. J'espère qu'elle non, sera. Non, mais sans déconner. Le pervers narcissique change fréquemment d'opinion. T'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Bah, Bollory, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet. Il éprouve de la jalousie. Les bobos de France Inter, là, qui sont toute la journée en train de se boire des cafés au café de Flore, là, ou je sais où. Il est incapable de reconnaître les sentiments ou les besoins d'autrui. Je pensais pas qu'on m'infligerait ça. La question, elle est super malaisante, quand même. Bah, non, je trouve pas. Je t'explique. Moi, je suis très contente de t'avoir. Si t'es pas contente d'être là, tu peux y aller, ma Sophie. Présente parfois plusieurs visages lorsqu'il est contrarié. Excuse-moi, mon chéri. Tu viens foutre ici, alors. Qu'est-ce que t'as dit ? Allez, tais-toi, là. On t'aime beaucoup ici. N'est pas conscient du mal qu'il provoque. L'influence qu'il exerce sur autrui est calculée. On n'est pas les ventriloques de Cyril Hanouna. Certains, si. Et c'est l'émission la plus regardée.